Chers amis, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous allons à cet instant béni ouvrir ta parole de vie et de vérité afin d'étudier une portion à travers la leçon de l'école du sabbat. Nous avons besoin vraiment que ton Esprit Saint nous assiste et nous aide afin d'ouvrir notre intelligence car ce que nous sommes en train d'étudier cette semaine est vraiment important. Parce que nous sommes dans un monde vraiment rempli de spiritualisme où le spiritisme fait son chemin et... Et partout, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ce que ta parole nous enseigne et que nous puissions te faire confiance. Merci de nous bénir, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion et je vous dis merci d'être là, que la paix du Seigneur repose sur vous et que nous puissions passer un moment agréable à l'étude de la parole du Seigneur. Notre sujet du jour, la mort dans l'Ancien Testament. Pour commencer, lisons le Psaume 6, verset 5. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts Le Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Maintenant, 1 roi 2, verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Maintenant, 1 roi 11, verset 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roborab, son fils, régna à sa place. Maintenant, 1 Roi 14, verset 20. Jéroboram régna 22 ans, puis il se couche avec ses pères, et Nabdab, son fils, régna à sa place. Alors, une question. Qu'en ces versets sur l'état des morts Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne dans ta réflexion face à cette question. L'Ancien Testament n'enseigne nulle part l'immortalité de l'âme. Il n'enseigne pas non plus qu'après la mort, les fidèles s'envolent vers la félicité du paradis pour l'éternité, ou qu'après la mort, les infidèles descendent en enfer où ils brûlent pour l'éternité. Il enseigne que la mort est un sommeil. Le livre des rois utilise l'expression se coucher, dormir avec ses pères, pour décrire la mort des patriarches. Les psaumes l'appellent le sommeil de la mort. Lisons le psaume 13, verset 4. Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne me m'endorme pas du sommeil de la mort. Maintenant, comparant avec le psaume 90, verset 5, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. En se référant à la mort, Job parle du fait de ne plus se réveiller du sommeil. Job 14, verset 12 Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Alléluia. Job établit un contract entre le destin des choses et le destin des hommes, à l'avantage des premières. Un arbre coupé peut repousser, mais la mort écrit sur la vie de l'homme un inexorable jamais, plus jamais. Plus loin, Job donnera un point de vue à partir de l'éternité. Ici, il considère la perspective terrestre, contrairement à un arbre qui... Une fois coupé, peut repousser à partir de sa souche. L'homme a une faim. Même le plus costaud d'entre nous mourra et sera alors semblable à l'eau qui s'évapore et disparaît à tout jamais. Le psaume ajoute, psaume 17, verset 15 Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Lorsque l'armée assyrienne avait été vaincue et détruite, la mort des soldats fut appelée « dernière sommeil ». Le psaume 76, verset 6, « À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. » L'idée que les morts sont des esprits désincarnés qui planent pour communiquer avec les vivants n'est pas du tout un concept biblique, mais du pur paganisme. Le fait de ne pas comprendre la vérité sur la mort nous expose au tromperies de Satan. Dans Traité des page 494 nous lisons Bien des personnes seront visitées par des esprits de démons personnifiant des parents ou des amis de faim, qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leurs dires par des miracles pour être capable de les repousser il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons Alléluia. Fin de citation. Maintenant, lisons Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. L'expression ceux qui dorment dans la poussière de la terre est une allusion à la malédiction dont Dieu a frappé la race humaine quand il a dit à Adam, Genèse 3, 17, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La résurrection des morts, tout au moins, de ceux qui obtiennent la vie éternelle attestent que la malédiction de Dieu sur la terre, la nature, l'univers et sur l'homme est désormais levée. Alléluia. La promesse de la résurrection des justes est faite de manière plus ou moins explicite au travers des pages de l'Ancien Testament. Lisons Isaïe 26, verset 19. Mes tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui. Vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Job 19, verset 26. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Ce passage mentionne également ceux qui se réveilleront pour la honte et l'horreur éternelle. Le concept d'une condamnation éternelle est rare dans l'Ancien Testament, mais il existe. Je comprends que le jugement éternel n'est pas un sujet de conversation agréable. Pourtant, il faut en parler. Car on ne doit pas ignorer que, comme la félicité éternelle des justes, la condamnation à tout jamais est une réalité tragique enseignée tout au long des écritures. Lisons Job 19 versets 25 et 26. Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Maintenant, une question. Quel élément sur l'état des morts ces versets ajoutent-ils? Je demande vraiment, au Seigneur, à ce que son esprit t'accompagne dans ta réflexion face à cette très belle question. La mort est un repos dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Il n'y a pas d'esprit incarnés qui planent pour communiquer avec les vivants. Alors que les païens croyaient en un monde où l'esprit s'épanouirait hors du corps, les Israélites considéraient la mort comme un sommeil jusqu'au matin de la résurrection. Alléluia. En conclusion, en pleurant nos morts, pensons à ceux qui meurent en Christ. De la manière suivante, ils ferment les yeux à la mort et quel que soit le temps qui s'écoulera jusqu'au retour de Jésus, la prochaine chose qu'ils connaîtront sera la seconde venue. La première pensée qu'ils pourront avoir à la résurrection est, wow, après tout, Jésus est vraiment vite revenu. Alléluia, merci Seigneur. Nous prions, notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment d'étude. Et merci surtout de nous avoir accompagnés par ton Esprit Saint. Nous sommes face à un sujet très très important, complexe par rapport à la tradition, à la culture. Et ce n'est pas évident de pouvoir effacer tout ce qu'on a appris depuis des siècles. Mais ton Esprit Saint est là pour faire cette œuvre bénie en chacun de nous. Alors que tu puisses nous éclairer et que ton Esprit continue son œuvre à nous accompagner, à nous pousser à réfléchir et à méditer sur ta parole et à respecter ta parole de vie et à croire ce que toi tu dis dans ta parole et non pas ce qu'enseignent les églises, la tradition, les mœurs et la culture. Vraiment, accompagne-nous dans ces moments, Père Éternel. Et garde-nous ta paix. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.